glace pudding. On mange des choux trempés dans du tétine. Ben ça alors, chez Miss Sterling, qu'est-ce qu'on mijote? Qu'est-ce qu'on mijote? Qu'est-ce qu'on mijote? Qu'est-ce qu'on mijote? Chez Miss Sterling, on mange des livrets de la purée de shilling. Ben ça alors, chez Monsieur Marquis, qu'est-ce qu'on grignote? Qu'est-ce qu'on grignote? Qu'est-ce qu'on grignote? Qu'est-ce qu'on grignote? Chez la reine, qu'est-ce qu'on chipote? Et chez la reine, c'est des diadèmes à la jolie de baleine. Et nous, pendant ce temps-là, on bouffe des clous. On bouffe des clous, on bouffe des clous, on bouffe des clous. Allez, Olivia, on va être en retard. Ouais, ouais, il va pas sauver le rat. T'as pris les beignets? Ouais. Et la poêle à crêpes? Ouais. Il est presque arrivé. C'est ici. On vient pour le rat. Ah oui. Essuyez bien vos pieds avant d'entrer. Meg! Qui est-ce? Oui, oui, oui. Voilà, tante Virginia. Meg, je t'ai posé une question. Oui, oui, tante Virginia, j'arrive. Charles? Occupe-toi des dératiseurs. Encore votre stupide histoire de rat. Il n'y a pas de rat dans cette maison et je déteste les enfants. Bonjour, monsieur. Oui, oui, bonjour. Suivez-moi. Je vais vous montrer les lieux. Attention de ne pas salir. Allez, sors de là, Falstaff, on a du boulot. Voilà. Certaines nuits, un rongeur s'introduit dans notre chambre et fait ses... ses besoins sur le couvre-lit. Oh, regardez. Mon épouse en est malade. Il faut absolument que vous nous débarrassiez de ce fléau. C'est pas des crottes de fléau, c'est bien des crottes de rat. Quant au chemin qu'il suit pour s'introduire ici, c'est un mystère. Cette porte et la porte-fenêtre sont toujours fermées. Peut-être bien qu'il est ici, le rat. Tout le monde, mais vous n'y pensez pas. Vous en faites pas. S'il se cache ici, Falstaff, il va vous le dénicher. Bien, bien. Vous resterez dans la maison jusqu'à ce que vous l'ayez trouvé. Quel est votre tarif? 2 shillings tout de suite et 3 à la capture. Ce n'est pas donné! Un rat à domicile, c'est 5 shillings. Ah, encore une chose. Il vous est formellement interdit d'entrer chez notre chère tante Virginia. Elle est très malade et le docteur a déconseillé les visites. On risque pas d'y aller, hein? Elle est pas malade pour taper des grands coups, cette sorcière. Allez, Falstaff, cherche le rat. S'il est pas dans la chambre, c'est bizarre. C'est normal, je te dis. Un rat, ça vit pas dans une chambre. C'est dans le jardin qu'il se cache. Et comment qu'il fait si la porte est fermée? Ben, peut-être qu'il sait ouvrir les portes. Allez, Falstaff,
S'il vient du jardin, avec ça, il est cuit. Oh, Orson, viens vite voir. La sorcière. Meg, venez me recoucher. Ces enfants sont d'une saleté repoussante. Repoussante toi-même. On n'est pas sale d'abord. Ouais, c'est elle, la sale bonne femme. Les rats, ils vivent dans les caves d'abord. Les rats, ils vivent pas dans les caves, mais dans les greniers. Mais je ne m'explique pas les douleurs abdominales de votre tante. Elle s'affaiblit, je ne suis pas très optimiste. Mon épouse et moi-même sommes très attachés à elle. Et vous avez bien du mérite, car ce n'est pas une femme facile. Nous avons un rat dans la maison. Et pour attraper un rat qui ouvre les portes, faut salir un peu, hein? Vous dormirez ici cette nuit. Nous allons vous installer confortablement. Pourquoi que t'as posté Falstaff à la cave? Il vient du grenier, je te dis. Meg! Ma lecture! S'étendit sur le sofa, serrant la lettre contre son cœur, comme pour en contenir les battements convulsifs. Édouard annonçait sa venue pour la chasse au renard du 28. Il l'aimait, c'était sûr. Ce roman est stupide, ma nièce. De plus, vous lisez comme un pied. Bonne nuit. C'est vrai qu'elle est tarte, son histoire. Il l'aimait, c'était sûr. Soyez vigilants au lieu de ricaner. Fais ta prière, Édouard le rat. Ta dernière crotte est arrivée. Laura! Laura est revenue! Nous ne vous payons pas pour dormir. Tenez-vous-le pour dit. C'est les traces du rat. Comment qu'il a fait? La porte de la chambre est fermée et un rat, ça ouvre pas les portes. On va voir d'où ce qui vient. Traînons. Ce rat, il a son nid chez la vieille. C'est interdit d'entrer. De toute façon, moi, j'entre pas là-dedans, hein. Le rat, il bouffe la vieille. Même si elle est méchante, on peut pas laisser le rat lui faire des misères. Toi aussi, tu viens avec nous. Allez, ouvre. Le flacon, vite. Mais que faites-vous ici? Vous sentez mauvais. On sent pas mauvais, on sent le hareng. Oh. Ça suffit avec vos grands coups, ça fait peur à Falstaff. Mais c'est vrai ça. Et puis heureusement qu'on est venu, hein, pour le flacon. Vous pouvez au moins dire merci. C'est vrai, quoi? Merci. Pouvez-vous m'expliquer maintenant la raison de votre visite? On est venu à cause du rat. Oh, encore ce rat? Il n'y a jamais eu de rat ici. Mais... Il n'y a pas de mais. C'est bien une idée de mes neveux. Engager des enfants pour chasser les rats. Pourquoi vous aimez pas les enfants? Vous avez bien une petite fille?
Ce n'est pas ma petite fille. C'est moi. Vous avez été si petite que ça? Vous êtes rudement jolie. J'avais votre âge. C'était il y a 70 ans. Pardonnez-moi, ma bonne tante. Nous vous avons interdit d'entrer dans cette pièce. Sortez immédiatement. L'état de santé de notre bonne tante Virginia exige le repos absolu. Ma bonne tante Virginia. Si je ne peux même plus recevoir de visite. C'est l'heure de votre thé, tante Virginia. Tu crois qu'on sera vieux un jour? Je sais pas, moi. Non. Oui. Et tu crois qu'on aura des rides comme elle? Ben oui, t'en as déjà une. Ah! Où est-ce que j'ai une ride? Où est-ce qu'elle est, la ride? Aron d'avril, Aron d'avril. Un trou dans le mur. Oh! Que fais-tu ici? Le rat n'est pas dans l'office. Ben, faut bien regarder partout pour le trouver. Allez, oust! Dehors! Si je peux même pas travailler tranquille, moi. Byron, vraiment parfait. Madame, Virginia... Madame Virginia, le rat, il faut nous le donner. Bon, ça n'est pas un rat. C'est Lord Byron, mon seul ami. Aidez-moi, les enfants, s'il vous plaît. Pourquoi que vous mettez des crottes sur son lit? C'est parce que vous êtes vieille et malade que vous êtes méchante? C'est parce que vous êtes des enfants que vous posez des questions idiotes? Ma nièce et son mari sont des vautours. Ils n'attendent qu'une chose. Que je meure pour hériter. Oh! Ils n'ont pas l'air si méchants que ça? Ce sont des hypocrites. Ils sont prêts à tout pour de l'argent. Des vautours! Heureusement que je vous ai, Lord Byron. Bonne nuit, mon doux compagnon. Oh, il est temps que vous dormiez aussi. Vous allez dormir ici. Ah!
Si c'est pas une honte, faire dormir des enfants sur un paillasson. Et Falstaff, il peut venir? Votre chien? Il est tout malheureux au grenier. Allez le chercher. D'autant qu'il n'y a pas de rat au grenier. Avant que Meg ne monte. Bonjour, ma bonne Meg. Vous avez passé une bonne nuit? Pas très bonne. Ne me dites pas que cet affreux rat est revenu faire ses besoins sur votre beau couvre-lit. Si, ma tante, justement. Vous ne m'avez pas entendu crier? Crier? Oh non. Je dormais, mamie. N'oubliez pas de boire votre thé. Le gros vilain Lord Byron. Il a encore fait sa crotte sur le lit des vautours. Faut pas bouffer Lord Byron. Couchez, Falstaff. Oh, quel chien obéissant. Olivia, donnez-moi mon thé. Tenez, Orson, passez-moi l'aquarelle qui est accrochée au mur. Brutus, c'était mon chien. C'est ma mère qui a peint cette aquarelle. J'aimais bien peindre aussi. Avant d'être ici. La maison est rudement jolie. Oh, Blue House. C'est là que je suis née. J'aimerais y finir ma vie. Pourquoi que vous y allez pas? Les vautours m'en empêchent, à cause de mon état de santé. Ils savent bien que loin de Blue House, je mourrai plus vite. Oh, comme d'habitude, ce thé est trop chaud. Bah, faut pas faire des manières comme ça. Aïe, oui, aïe, ça brûle. Oui. Ah, je le savais. Vous venez faire du mal à ma bonne tante Virginia. Mais c'est pas vrai. Ce sont mes amis. Allez, oust, disparaissez, vauriens. Elle était gentille, Virginia. Lord Byron aussi. Il est rudement bien dressé pour un rat. Il ne me reste que toi. Les vautours m'ont même pris mes habits. Oh, Lord Byron! Dans cette maison. Oh. Mais ma bonne tante, il est mort en buvant mon thé. Le rat? Voyons, chère tante Virginia, c'est impossible. Vous vous méprenez, nous allons vous apporter une nouvelle théière. Sortez immédiatement de chez moi. Je ne veux plus rien boire. Vous êtes des monstres. Que fait-on, hein? Elle finira bien par réclamer à boire ou à manger, et alors nous mettrons la dose. Oui. Oh. Aïe. Ah, oui, j'ai mal. T'as mal ousque? Au ventre. Là. Là. Oh. Et tout partout. Et il y a des endroits où... Oui. Qu'est-ce que t'as mangé? Rien du tout. T'es sûre?
Virginia. Ta bulle T de Virginia. C'est son T. C'est son T. Oh, les vautours. Qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'elle est déjà mourue, la vieille. Les voilà. On y va. Oh, je n'y arriverai jamais. Faut pas avoir peur. Je vais vous montrer. Faut pas regarder en bas. C'est très simple. À vous. Si vous sautez pas, vous serez mouru empoisonné. Chère tante Virginia. D'être vieux. Plus vite, cocher! Horreur! Le gâteau est complètement brûlé! Oh! Au mois d'avril! Vous en prendrez bien une part. Il faut rentrer maintenant. Ce n'est pas bon pour votre santé. Mais nous avons tout notre temps, ma chère nièce. Le gâteau est servi, inspecteur Lestrade. Oh! Au nom de la loi, je vous arrête pour tentative d'homicide sur la personne de Virginia Ducharme. On va pouvoir manger le gâteau. Hé, hey, Olivia, mange pas trop de gâteau, tu vas avoir plein de rides. Thank you.